Eh bien, bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue dans cette 48e émission de CEFTV. Alors, je suis très heureux de vous retrouver ce soir, assez nombreux, et voilà, après quelques mois d'arrêt, après ce début de nouvelles compétitions, et toujours, voilà, l'objectif de CEFTV, c'est de partager les connaissances et de partager vos expériences les uns et les autres avec à chaque fois un invité, et ce soir, ce sera Bastien Letellier. Je parlerai tout à l'heure un peu de la thématique, donc j'espère que vous allez bien. Dites-moi un peu dans le chat de quel club vous venez, comme ça on voit un peu différentes régions d'où vous venez. Donc ce soir, au sommaire, on aura quelques infos pour les coachs, quoi de neuf coach, toutes des informations destinées aux coachs au niveau de la formation, formation continue, formation de base. On aura aussi le résultat de notre sondage que nous avons mis en ligne par rapport à la thématique. Et ça, ce sera Bruno Bastien qui va commenter ça. Nous aurons aussi une interview en direct d'un coach pour voir un peu comment est-ce qu'il a vécu, comment est-ce qu'il vit cette trêve forcée. Et après, on laissera la place à notre orateur du jour qui est Bastien Letellier. Et puis, vous aurez l'occasion de pouvoir interagir avec lui après l'émission, mais aussi pendant l'émission. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos idées, vos questions, vos commentaires par rapport à l'exposé de Bastien. Alors, on est là vraiment dans un esprit de partage de connaissances. Donc, personne ne détient la vérité. Donc, ici, Bastien Letellier va vous partager des conseils, comment reprendre après cette trêve forcée. Donc, n'hésitez pas à partager tous vos commentaires sur le chat. Alors, si je vois des questions intéressantes, je vais les taguer et à la fin de l'exposé de Bastien, je poserai ces questions. Donc, voilà. Donc, c'est très interactif. C'est ça le but du live aussi, c'est que si vous avez des questions pendant l'exposé, que Bastien puisse y répondre et je suis certain qu'il se fera un plaisir d'y répondre. Alors, je vois qu'il y a des gens de Sydney, il y a même quelqu'un du Canada. Donc voilà, East Coast Geoffroy de Mayer. Donc il est à. Ah oui, de Mayer, oui, je vois. Donc il est à Moncton au Canada. Alors un peu plus proche, on voit Sydney, Braine-le-Comte, Jean-Luc Delangue aussi du Luxembourg, Luciano Jim. Voilà, je vous souhaite à tous déjà des meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et c'est vrai que vous êtes beaucoup à vous interroger sur la reprise des championnats. Alors, ça dépendra du Codeco du 17 ou 18 janvier prochain. Et c'est à ce moment-là que la fédération pourra prendre des mesures sur de reprendre les championnats ou non. Voilà, c'est vraiment une trêve forcée. On n'a pas vraiment le choix avec cette pandémie. On est tous logés à la même enseigne. Et c'est pour ça que je vous demande vraiment aussi de la compréhension et aussi du respect, de la tolérance par rapport à ceux qui prennent des décisions. Parce que, honnêtement, pour moi, j'aimerais vraiment pas être à leur place. Mais de grâce, arrêtons ces insultes, ces critiques, ces moqueries vis-à-vis de personnes ou d'institutions qui sont tout à fait gratuites et qui ne font pas avancer finalement le schmilblick et la situation dans laquelle on se trouve. Voilà. Donc, quelques news. La première, je vais reprendre. Voilà, au niveau des formations, on continue. Je rappelle qu'il y a toujours les formations multiskills, que vous voyez ici l'affiche. Les formations multiskills vont reprendre à partir du 28 février. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos actualités sur notre site www.ceff.be. Donc voilà, formation multiskills, donc du 28 février jusque fin mai. Voilà. Et après, le niveau 2 commenceront du 7 juin au 20 juin. Et pour participer au niveau 2, il faut aussi valider le niveau 1. Autre aussi information, notre colloque annuel, notre colloque UEFA, qui se déroulera dans le courant du mois de mars. On est occupé en train d'organiser ça avec le département technique de la CFF. Donc voilà, courant mars, notre colloque UEFA. On espère vraiment que ce sera en présentiel. Et si vraiment, à cause des conditions sanitaires, on ne peut pas se réunir en présentiel, ce sera un webinaire comme on l'a eu l'année passée avec Chris Van der Hagen. On espère vraiment qu'on puisse se retrouver tous ensemble à Namur, toujours, et passer un moment agréable aussi après la conférence et avoir ce moment de convivialité, de pouvoir se retrouver les uns les autres. Mais voilà, normalement, dans le courant du mois de février, vous aurez normalement toutes les news, toutes les infos pour le colloque et ainsi pour l'inscription.
Il y aura aussi, au mois de juin, des formations pratiques sur terrain. Je ne sais pas si certains ont participé à nos journées de l'entraîneur l'année passée, au mois de juin et au mois d'août. Donc voilà, on remet ça cette année-ci. Ce sera toujours la même période. Donc mois de juin et aussi début août, une formation, une journée d'entraîneur par province. On vous dévoilera normalement les thématiques d'ici fin avril, début mai. Alors aujourd'hui, pour ceux qui se sont inscrits à cette Safe TV, vous avez l'occasion de remporter donc trois personnes qui aussi sont inscrites et qui participent maintenant à l'émission. Ben voilà, comme vous le voyez, vont pouvoir remporter un brassard chacun, voilà, confectionné par notre partenaire Decathlon. Voilà, tout sera tirage au sort et tout sera cela communiqué en fin de soirée. Alors, je vois qu'il est là. Je vais tout de suite accueillir Bastien Letellier. Bonsoir. Voilà. Bonsoir Bastien. Bonsoir à tous. Mes meilleurs vœux, une bonne année. Ben oui, mais à toi aussi. Bonne année, santé à tous les auditeurs et plein de réussite dans leurs projets. Hein. Voilà, et puis en cette période un peu particulière, mais c'est aussi pour ça que tu es là ce soir. Tout à fait. Voilà. Je répondrai de mon mieux en tout cas. Oui. Tout à fait. Donc je regarde un peu au niveau des commentaires. Donc je vois qu'il y a des gens qui viennent de Sydney. On a quelqu'un qui nous suit aussi de Moncton au Canada. Donc tu vois quelle ampleur quand même cette émission. Au moins toute la francophonie. On a aussi des gens qui nous suivent aussi au niveau du Maghreb qu'on salue aussi. Et plus près de nous, on a des clubs comme Sydney, Saint-Symphorien. Voilà. Aussi salut John Gaspard aussi qui est aussi un fidèle de l'émission. Donc après les news, nous aurons aussi une interview en direct d'un coach, de Zubir Utamen, qui va bientôt se connecter, et auquel on va poser 2-3 questions pour un peu voir comment est-ce qu'il gère cette trêve un peu forcée, puisque on est un peu dans l'expectative, puisque on avait annoncé à partir de la mi-janvier, mais maintenant on doit attendre le Codeco qui aura lieu le 17 ou le 18 janvier, si je m'abuse. Et donc, d'après l'interview du président de la CFF, David Delferrière, on s'oriente soit une reprise fin janvier ou début février, si tout va bien. Si les contaminations aussi diminuent, si maintenant ça part et qu'on arrive à des chiffres catastrophiques et si les hospitalisations augmentent, ainsi que les personnes qui rentrent dans les soins intensifs, je crains que ce soit reporté. Mais bon, voilà, si chacun d'entre nous, on respecte bien les gestes barrières, on respecte bien les consignes, on peut essayer de diminuer la propagation de ce virus qui, je rappelle, est très contagieux. Voilà, donc je salue tout le monde. Voilà, bonjour Jean-Claude. Voilà, tous nos fidèles qui sont là. Voilà, Bastien, toi, comment vis-tu personnellement cet arrêt un peu forcé du championnat? Je me mets beaucoup à la place de tous ces entraîneurs. C'est d'ailleurs pour ça que je suis là aujourd'hui. Et c'est vrai que ce n'est pas évident du tout. C'est une période très difficile. On se pose beaucoup de questions. Je vais essayer d'ailleurs d'y répondre du mieux que je peux avec mon expérience. C'est sûr que cette période forcée, et j'en parlerai tout à l'heure, est assez embêtante en ces temps actuels, d'accord, mais elle nous permet quand même, contrairement à il y a 2 ans, de pouvoir quand même pouvoir s'entraîner et d'avoir la main mise sur son groupe et également de faire des matchs amicaux, même si on sait que les matchs amicaux ne seront jamais à la hauteur d'un match de compétition, on le sait bien, mais ça permet quand même de pouvoir continuer à pratiquer de la sorte, contrairement à il y a 2 ans. Donc ça, c'est quand même assez positif de pouvoir avoir son groupe en main, contrairement à il y a 2 ans, où là, c'était quand même bien plus compliqué, on est bien d'accord. Oui, effectivement, parce qu'il y a 2 ans, c'était un arrêt complet. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait initié CSF TV dès le début de la première pandémie, donc au mois de mars. Et on l'a continué jusqu'au mois d'août, au mois de septembre, jusqu'à la rentrée, pour donner aussi un peu de foot aux entraîneurs et permettre de continuer un peu à se former et de rester un peu en activité. Voilà, je vais accueillir. Hop, bonjour Zubir. Bonjour Rudy. Bonjour, voilà, j'espère que tu vas bien. Oui, super. Il fait froid, mais ça va. Parce que toi, nous, on est au chaud. Hein. Toi, où est-ce que tu es exactement? Je suis au Anne-Derhoven-Beek, au Black Star, ici.
Ah oui, il y a un pack ACFF, je pense, c'est ça. Il y a un pack ACFF, on est occupé. On vient de terminer, je viens de terminer avec, il y a 5 clubs bruxellois, Synergie, Berkem, Black Star, et il y a 5 clubs, pack proximité, Évolution, 3 étoiles. Ah bah, super. Toi, donc, je rappelle Zoubir, au-delà d'être contact provincial de la CEF pour la région bruxelloise, donc s'il y a nos amis bruxellois qui nous écoutent, ben, voilà, vous pouvez mettre, mais je pense que Zoubir est assez connu en région bruxelloise, donc c'est lui qui a le contact provincial et est maintenant responsable sportif pour la région bruxelloise, mais il est aussi coach de l'équipe PA du RWM des Dames. Alors, comment est-ce que tu vis, toi, cette trêve forcée? Ben la reprise c'était un peu enfin c'était pas difficile. Les filles c'est une autre mentalité, elles ont envie, elles veulent jouer et tout ça. Mais on a appris la nouvelle que malheureusement on peut pas jouer jusqu'à peut-être la fin du mois de janvier ou début février. Donc on a repris avec 3 entraînements par semaine, mardi, mercredi, jeudi. Et ça se passe bien parce que, heureusement, la fédération autorise de jouer les matchs amicaux. Donc, on a commencé la semaine passée, on a joué un match amical avec Femina White Star. Et on va jouer samedi encore un match amical. Donc, on reste à un rythme de 3 entraînements, 2 à 3 entraînements par semaine, plus un match. On doit rester compétitif, on est dans une phase où on ne doit pas lâcher. Donc, pour l'instant, les filles s'accrochent et ça se passe bien, ça se passe très très bien. Donc, on n'a pas changé le programme. Le programme qui a été prévu, avant les fêtes de fin d'année, on l'a gardé jusqu'à maintenant. Est-ce que selon toi, cette trêve forcée qui va un petit peu durer, est-ce que ça va changer la donne au niveau championnat? Certainement, ça change beaucoup au niveau, peut-être au niveau garçon, au niveau des adultes, je veux dire. Chez les jeunes, ça change pas grand-chose, mais chez les adultes, ça change, en sachant que chaque coach et surtout les préparateurs physiques, ils ont fait un travail énorme pour ramener les joueurs à un certain niveau physique. Et puis, ils reçoivent l'info, je veux dire, ah, on peut plus jouer. Donc, ça demande de gérer une situation très très compliquée. Si on appuie un peu sur le champignon, on risque d'avoir des blessés. Si on reste, je veux dire, dans le mode entretien de la forme, on va être largué par les autres. C'est une situation très délicate. Il faut être malin, il faut être vraiment un vrai calculateur de voir les situations. Il y a des joueurs qui, je veux dire, qui répondent à ça, et d'autres, ils sont pas vite, je veux dire, c'est comme ça. On essaye d'éviter les blessures. Première chose, éviter un maximum de blessés. La deuxième chose, essayer de garder sur ce niveau de physique, comme on a terminé pratiquement le premier tour de la saison. Espérons que ça se passe bien, mais c'est difficile. Moi, je suis dans le métier, les préparateurs physiques, maintenant, ils ont un boulot extraordinaire, mais c'est très, très compliqué. Ok, bah, c'est bien, tu fais une belle transition et c'est pour ça qu'on a invité aujourd'hui Bastien Letellier. Et c'est vrai que Bonsoir, n'hésitez Sylvain. pas, vous, si Bonsoir. Bonsoir, Zoé. à. Je ne sais pas si vous vous connaissez, peut-être, Non, je ne non, sais non, pas. on s'est jamais rencontré, mais Bon, comme tu dis, il a vraiment bien introduit le sujet et exactement, c'est vraiment sur ça voilà. qu'on va C'est bien, pourtant on ne s'est pas concerté, Zoubir, c'est top. Voilà, ok, eh ben, merci Zoubir d'avoir pris Merci beaucoup. quelques minutes de ton temps pour pouvoir donner ton témoignage par rapport à ce que tu vis. Et voilà, bonne suite de championnat aussi avec Merci tes dames Rudy, avec RWDM. plaisir. Bonne suite, bonne Voilà, continuation. ciao. Alors, Au revoir. bonsoir. Voilà, donc n'hésitez pas vous aussi à réagir dans le chat, de voir un peu comment est-ce que vous gérez cette trêve, quelles sont les difficultés. Et c'est vrai que quand je lis un peu les interviews dans la presse ou sur les réseaux sociaux, ben, en fait, c'est un peu mitigé, en fait, hein. Il y a des gens qui disent que c'est une bonne chose parce que, un, ça permet de mettre au repos certains organismes, ça permet à certains de revenir de blessures aussi, hein, parce qu'il y a eu pas mal de blessures, et ça, Bastien va en parler. Et puis d'autres disent, ben, OK, ça coupe un peu le rythme. Je regardais tout à l'heure un interview de Jimmy Hemp qui disait que, ben, voilà,
voilà, ils avaient enchaîné pas mal de bons résultats et que finalement cette trêve a un peu coupé l'herbe sur le pied. Donc voilà. Donc, eh ben voilà, sans plus tarder. Donc n'hésitez pas à réagir sur le chat. Je vais noter vos questions. Je les poserai tout à l'heure à Bastien. Ben voilà, je laisse à Bastien la place. Je ne sais pas si tu vois le. Ouais. Voilà. Fichier. Ça va pour toi là, tu l'as? Parce que je ne vous vois plus hein, maintenant. Ouais. Super. Ok, parfait. Voilà, c'est bon super, pour vous? Ouais, ouais toujours okay. Ça. C'est top. Voilà, à tout okay. À l'heure. Merci, à tout à l'heure, Rudy. Voilà, justement, ben, je tenais encore à remercier Rudy pour son invitation ce soir. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Je tiens également à vous souhaiter mes meilleurs voeux, une bonne et heureuse année et plein de succès avec vos équipes. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est sûr que je me mets énormément à votre place avec empathie et étant dans la situation, évidemment, c'est évidemment pas évident du tout de travailler dans ces conditions, surtout si on était en pleine bourre avec son équipe et qu'on carburait. On vient d'entendre Jimmy M. le dire. C'est sûr que quand il y a cette interruption qui est là, forcée, c'est assez problématique. Moi, ce que je vais vous faire, c'est faire un peu le topo de ce qui se passe aujourd'hui au niveau sanitaire, au niveau de l'état des lieux. Et de là, on va partir sur des outils que je vais vous donner, des pistes pour pouvoir y remédier de la meilleure manière que vous puissiez faire avec votre équipe. Donc, sans plus tarder, eh bien, on va parler un petit peu du plan d'aujourd'hui. Donc, je ferai une présentation rapidement de mon parcours. Ensuite, on fera ce fameux état des lieux de la situation sanitaire actuelle. On fera rapidement un bilan Covid-blessure. Rudy vient de le dire, les problématiques que l'on rencontre dues à la planification liée au Covid. On repassera en revue un sondage CEFF que Rudy avait mis en ligne. On verra un petit peu en quoi il en est de votre côté aussi. Ça me permet d'avoir un petit retour avant d'introduire le sujet. Ensuite, brièvement, je vous rappellerai ce que c'est une saison en football. Une saison en football, c'est quoi? Les rappels. Vous verrez, il n'y aura pas beaucoup de théorie. Vraiment, on sera plus axé sur de la pratique. Comme je vous dis, je me suis beaucoup mis à votre place et je vais essayer de répondre un maximum à vos besoins et à vos difficultés actuellement avec cette situation. Et puis on parlera, et là on rentrera vraiment dans le vif du sujet, les différentes phases de la transition hivernale au match retour. En fait, je vais vraiment cibler le sujet d'aujourd'hui sur ce qu'on vit actuellement. Donc sur cette transition en fait, entre votre trêve que vous avez avec vos joueurs et les matchs retour dans lesquels nous sommes dans l'attente pour le moment sur la reprise de la compétition officielle. Voilà un petit peu pour le plan. Donc sans plus tarder, eh bien, je vais passer à la présentation. Mais avant, je tenais quand même à vous dire que ça s'adresse surtout à la communauté des entraîneurs semi-pro et amateurs, ce que je vais faire ici. Je me suis mis beaucoup à votre place par rapport à vos conditions de travail aussi, mais également pour mes collègues du métier, dans un but d'échange et d'idées constructives. Bien entendu, tout le monde est le bienvenu à ceci. Et puis également, je donnerai des conseils, même si ça n'a pas toujours été facile pour moi de me mettre à votre place. Il faut bien, pour bien quantifier le travail, il faut bien vous rendre compte que les pistes que je vais vous donner, je ne suis pas dans votre club, je ne suis pas sur place. Donc, un club n'est pas l'autre. Les situations au niveau d'infrastructure ne sont pas les mêmes partout. Donc, moi, je vais vous donner grosso modo les meilleurs outils pour vous et après, à vous, évidemment, de faire en sorte d'y répondre au mieux. Bien entendu, je reste disponible. Vous aurez mon email également. Vous avez mon numéro de téléphone en bas du PDF. Je resterai disponible, évidemment, si vous avez toute autre question, après, même après ce PowerPoint, quoi. Voilà. Alors, pour la présentation, je me présente donc forcément Bastien Montelier. Je suis professeur d'éducation physique depuis 2006 et je travaille principalement dans l'enseignement secondaire supérieur dans la province du Hainaut, à Tournai précisément. En 2012, j'ai pris l'initiative de commencer des études à l'université de Lille 2 comme préparateur physique. J'ai fait mon stage pratique au Royal Sporting Club d'Anderlecht avec Monsieur Hubert Lemaire et Jérôme Témon, que je salue, et également Quentin Parent et Olivier Lavry qui travaillent là-bas aussi depuis plusieurs années maintenant, et j'en profite pour les saluer, qui sont aujourd'hui des collègues forcément. L'année suivante, je rentre après avoir obtenu mon diplôme à Moucron. À l'époque, c'était Monsieur Losfeldt qui m'engage pour travailler là. J'y pars, je vais y rester 10 ans. Donc, j'ai eu la chance de pratiquer avec toutes les catégories d'âge, allant des U5 jusqu'aux espoirs. Donc, les espoirs, j'y ai passé 4 années. À l'époque, c'était Monsieur Dacruz qui m'avait mis en espoir, je me souviens bien. Et puis, les deux dernières années, j'ai eu la chance de côtoyer le noyau pro comme préparateur physique attitré.
En parallèle, j'ai décidé d'entreprendre également mes cours à l'Union belge. Le temps que je travaillais à mon compte, j'ai pris le temps le soir en cours du soir de suivre mes cours à l'Union belge. Et j'ai été diplômé UFA et Elite en 2020, d'ici peu. Voilà un petit peu pour les présentations. On passe maintenant donc au point suivant, l'état des lieux de la situation actuelle. Alors, avant, on se souvient bien, aucun rassemblement et suppression des entraînements. Impossible de pouvoir se rassembler, on s'en souvient tous, on essaie vite de l'oublier. C'est bien ce qui s'était passé. Interdiction également d'être assemblé en intérieur, je parle bien pour les sports, et suppression des matchs officiels et amicaux. Aujourd'hui, ça nous permet de faire état des lieux pour pouvoir travailler sur ce PDF. On a quand même des entraînements qui sont autorisés. Des rassemblements à l'intérieur sont également autorisés avec la distanciation, masque et test PCR et ainsi de suite. On ne va pas s'étaler là-dessus, mais c'est quand même quelque chose qu'on peut faire également. Et des matchs amicaux, pas officiels, mais amicaux sont également autorisés. Donc, on va partir de cette structure actuellement pour pouvoir faire ce PDF. Si, et je l'espère, hein, je l'ai bien mis là, je ne l'espère pas, s'il y a une interruption prolongée des championnats et la suppression surtout des entraînements, je vous invite à visionner le lien ci-dessous qui avait été fait le 19 mars également par la CEFFTV. Avec des intervenants de qualité. Je les salue d'ailleurs, messieurs De Villers, Pirard, Franken et Jérôme Schall, que je salue. Vous verrez, c'est très complet. Donc, si jamais on doit rentrer dans une prolongation d'interruption, je vous invite vraiment à aller voir ce lien. Ça va vous donner d'autres pistes. Notamment, il y a aussi des interventions, je pense, avec Jérôme Schall, oui, que je salue également, ou même au niveau quantification, les temps de travail, de récupération sur la vitesse et ainsi de suite. Il en parle également. Donc, je vous invite vraiment à aller voir ça. Je ne le souhaite pas à nouveau, mais si ça doit arriver, je vous invite vraiment à le faire. Alors, les problématiques de la planification liée au Covid, eh bien, on est tous en train de s'en rendre compte, hein. J'ai pris là trois articles, mais vous savez qu'il y en a eu un tas et un tas et un tas. C'est sûr qu'on a vraiment observé en tant que prépa physique des blessures. J'entends parler mes collègues, hein. On a vraiment un pic dû à ça, dû au Covid. Dû à des grosses interruptions forcées, surtout dans le secteur amateur. Et puis voilà, donc ça, c'est vraiment un constat général et on va essayer d'y remédier aujourd'hui, en tout cas, encore une fois, en vous donnant des pistes. Sondage de la CEFF qui a été donné donc par Rudy suite à votre demande. On se rend bien compte que beaucoup de gens ont répondu que, selon eux, d'ailleurs 50%, une personne sur deux de ce vote, pour eux, ça va causer beaucoup de tort aux joueurs avec des risques de blessures et une perte de conditions physiques. C'est exactement ce que Doubière venait de nous dire dans l'interview, là, juste avant. Donc, on constate vraiment que c'est bien d'avoir votre retour avant d'aller plus loin. On constate vraiment que c'est bien ça qui vous fait peur, surtout ce risque de blessure. Je vais bien m'étaler sur ça pour éviter dans vos clubs que ça n'arrive. Alors, un petit rappel maintenant, une saison en football, on va rentrer dans le vif du sujet. Une saison en football, c'est quoi? Eh bien, on peut observer plusieurs choses. Forcément, on a la trêve estivale, la pré-saison, les matchs aller de compétition. Entre les deux, nous avons notre trêve hivernale et la seconde partie de compétition avec les matchs retour. On ne va pas s'étaler là-dessus. On sait très bien que c'est une récupération et la préparation de la saison à venir durant cette trêve estivale. On a ensuite notre préparation, d'accord? Là, on sera plus dans un développement de qualité physique, forcément, optimisé, individualisé, mettre à niveau, évaluer et planifier. Ensuite, on a notre trêve hivernale et notre seconde partie de championnat. C'est donc bien sur ça qu'on va s'étaler comme sujet aujourd'hui pour une remise à niveau et la maintien des qualités, d'accord? Et c'est surtout sur la transition, j'insiste, entre la trêve et la reprise progressive avec vos joueurs qui va être ciblé aujourd'hui. L'idéal, ça aurait été évidemment de tourner ce petit visionnage avant la trêve hivernale, mais la demande a été faite après, mais ce n'est pas du tout un problème parce que je vais vraiment cibler la période dans laquelle nous sommes actuellement, même si elle a déjà un petit peu commencé suite à la fin de la trêve hivernale. Donc, sans plus tarder, voici l'état des choses. La transition pour laquelle je vais parler, durant cette période, il faut bien savoir qu'il y a un très grand risque de blessure musculaire pour plusieurs raisons qu'il faut bien prendre en compte. L'état des terrains. Alors, on n'est pas tous à la même enseigne, malheureusement. L'état des terrains ne sont pas identiques dans tous les clubs. Excusez-moi. Donc, c'est vraiment un élément à prendre en compte. Veillez toujours, forcément, déjà pour votre terrain à vous, à ne pas travailler toujours sur la même surface pour bien le préparer à d'autres séances, d'accord, pour ne pas l'abîmer.
Et également pour éviter des blessures. Si vous voyez que le terrain est fort gras, parce qu'on a des fois des terrains en pente, s'il est fort gras d'un côté du terrain, faites attention de ne pas y aller, déjà pour moins l'abîmer et surtout pour éviter un grand risque de blessure. Les températures négatives sont évidemment à prendre en compte. Hein, quand il commence à geler, les terrains plus durs et même au niveau musculaire, ça demande une préparation plus importante au niveau de l'échauffement. Cette durée très hivernale, très importante, à prendre en compte également. Prise de poids. Si on a une grosse interruption, on risque d'avoir des joueurs, parce qu'on est bien d'accord, ils ne vont pas tous faire le travail. Hein. Donc c'est important de prendre ça en compte. On a évidemment un manque de mobilité et de renforcement musculaire, qui est à prendre en compte aussi. Je vais en discuter plus tard. Le manque de rythme de compétition. Et enfin, prendre le temps de bien échauffer son corps, surtout en cette période. La transition de la trêve hivernale, et les matchs retour vont être partagés en plusieurs phases. La première, ce sera donc, on est au début de la trêve hivernale, on parlera de récupération et puis d'entretien, les fameux programmes dont vous avez donné à vos joueurs. Puis, on parlera de la reprise des entraînements avec des bilans individuels, surtout si l'interruption a été très longue, je vous le conseille de le faire. Là, certains ont déjà repris. Maintenant, ce n'est pas un problème. Si ça n'a pas été fait dans les conseils que je vous donnerai tout à l'heure, vous pouvez toujours le faire, même si vous avez repris depuis 2 ou 3 semaines. Ce n'est pas un souci du tout. Ensuite, je vous parlerai de la stratégie pour rétablir une bonne base aérobie, progression vers l'intensité de la compétition. On parlera en parallèle, ceci c'est très important, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai mis 4 points A et 4 points B, là vous pouvez voir, des renforcements musculaires, un travail de prévention par atelier, je vais vous donner plein d'outils pour éviter des blessures avec vos joueurs. Et puis pour terminer, ça sera un peu une manière de conclure tout ce qu'on aura vu. Je vous donnerai un exemple du déroulement d'une séance en cette période hivernale avec des conseils ainsi que des exemples de programmes. Ça peut être intéressant pour des joueurs infectés par le Covid. Si vous avez un ou deux joueurs qui sont infectés, hop, ils vous téléphonent début de semaine. Écoute, d'accord, repose-toi bien. J'entends que tu es infecté, donc tu n'es pas trop, apte à quand même pouvoir faire des efforts physiques. Donc, je vais quand même t'envoyer un programme pour que tu puisses quand même t'entraîner. Donc, ça, c'est des pistes que je vais vous donner également parce que ça risque de vous embêter pendant cette seconde phase de championnat. Voilà un petit peu pour le plan. Tout ça, évidemment, à ajuster. J'en parlerai plus tard. C'est très, très important. Et Zoubir l'a dit tout à l'heure, de jouer sur ça, sur le fait de bien prendre en compte que s'il y a une grosse interruption, il faudra plus travailler le fond que si on n'a pas une grosse interruption, et bien très vite, on pourra monter dans les tours. Et ça, c'est de l'ajustement. Ça sera très important. J'y reviendrai. Alors, le premier point, donc la récupération. Après le premier tour, vous êtes tous partis en trêve, vous avez laissé vos joueurs en trêve. Ça permet, il faut le rappeler, de bien récupérer physiologiquement et psychologiquement. Un repos complet entre 7 et 10 jours est préférable, surtout pour recharger au niveau mental, passer du bon temps avec sa famille, sans oublier qu'il faut bien recharger ses batteries, d'accord ? Mais bon, même si les fêtes sont bien passées, c'est toujours bien de rappeler de ne pas consommer trop d'alcool et surtout profiter de se ressourcer en famille. Cette première étape, elle est importante pour être performant dans la seconde partie de championnat. Ça, j'insiste vraiment sur à mes joueurs. Voilà, coupez foot, prenez du temps pour vous. Ça, c'est très important. Attention, parce qu'après 10 jours, et ça, beaucoup d'entre vous le savent, après 10 jours, on observe une diminution considérable de la condition allant de 5 à 15%. Donc, si c'est le cas, on en vient à la deuxième partie, c'est l'entretien. C'est très important de proposer des programmes à vos joueurs pour éviter justement cette diminution considérable. Alors, le deuxième point, forcément, on est toujours dans notre trêve hivernale. On en vient, après notre récupération, à un petit programme d'entretien. Alors, 7 à 10 jours de repos sont suffisants. Ensuite, il faudra donner ce programme. Généralement, on va intégrer 2 à 4 footings à livre de capacité aérobie. Donc, capacité aérobie, en présence d'oxygène. Donc, capacité à pouvoir parler à l'effort. Des petits programmes d'étirement et des exercices de pompage, d'abdominaux, de gainage et également de renforcement musculaire. L'entretien pour vos joueurs, c'est important d'avoir une relation de confiance entre le joueur et l'entraîneur. On est tous d'accord de se dire, et on a été joueurs nous-mêmes, que malheureusement, on a des joueurs qui ne vont pas faire ce programme. Maintenant, c'est à nous à les sensibiliser énormément. Ça, c'est la relation que vous avez avec eux. Voilà, c'est des adultes, on sait qu'ils ont une vie de famille, ils ont un travail, mais qu'on compte sur eux aussi, se sont engagés dans un club, et on compte sur eux aussi pour un minimum être performant lors de la reprise. Donc, tout ça, c'est important de leur faire prendre conscience, et que puis de toute façon, un petit footing le lendemain d'un repas de Noël, ça fait toujours bien du bien. Quoi.
Pour suivre ça, bah, quelques pistes, hein, c'est pas évident, mais si on peut le faire sans trop les tanner, évidemment, avec ça, hein, en fonction, plus on descend dans les niveaux amateurs et plus on sait bien que c'est pas ça qui est l'idéal pour embêter un joueur, mais néanmoins, vous avez quelques pistes, hein, on leur demande un petit retour avec une application via des captures d'écran, vous pouvez même leur demander, il m'est arrivé de le faire à mes joueurs, des petites capsules vidéo. Où ils se prennent en charge, par exemple sur le travail de renforcement musculaire. Voilà, c'est plus de notre domaine. Moi, je le demandais à mes joueurs, comme ça me permettait de leur faire un retour sur le travail postural, par exemple sur simplement une posture de gainage. Eh bien, j'arrivais à les corriger à chaque fois en leur faisant un petit retour. Donc, et puis pour vous, sans aide de la police, ça vous permet de voir un petit peu la motivation également de vos joueurs et ceux qui ne le font pas, ben, de leur dire, tiens, ne m'oublie pas, ça serait bien que tu m'envoies ça, je compte sur toi, et ainsi de suite. Ça permet également de voir que vos joueurs sentent que vous êtes impliqué dans le projet, vous aussi. Demandez forcément aux joueurs de bien surveiller leur poids. Et puis, le principal aussi, c'est quand même qu'ils passent de bons moments tout en faisant attention à ça, quoi. Alors, voici un exemple de programme que je donnais à l'époque en espoir. Hein. On peut observer, vous l'aurez un PDF, je le donnerai à Willy, vous pourrez le trouver en ligne. Je ne vais pas m'étaler longtemps dessus, mais généralement, je leur laissais une semaine de repos et puis très vite, je leur donnais quelques activités, que ce soit de footing, de vélo, natation. Je leur laissais plusieurs possibilités avec, vous voyez en dessous, un travail d'étirement et de gainage. Voilà, je ne les tannais pas trop avec ça parce que. Surtout dans le centre de formation, ils avaient énormément de séances. Donc, c'était surtout pour dire d'entretenir un petit peu. Mais je vous donnerai d'autres pistes si vous voulez. Vous pouvez revenir vers moi. Mais si votre période est plus longue, évidemment, le programme devrait être un peu plus conséquent, toujours dans les possibilités du métier de chacun, évidemment. Alors là, c'était quelques petites captures hein, que les joueurs m'envoyaient. Il n'y avait pas une application fixe. Ils en avaient plusieurs, donc chacun travaillait avec son appli qu'il avait l'habitude de faire. Et je leur demandais simplement une capture d'écran, ils me l'envoyaient. Et pareil avec la capsule vidéo. Vous voyez, je vais pas les ouvrir forcément, mais c'était un peu pour bien vous montrer le retour qu'il est possible de faire durant cette période d'entretien, qui n'est pas évidente pour avoir un contact avec vos joueurs. J'en suis bien conscient. Une petite observation, je trouvais ça intéressant. J'ai pris trois clubs sans les citer, un du niveau provincial, un de élite provinciale et une en division nationale. On peut se rendre compte que pour les deux premiers, leur dernier match de championnat était le dimanche 12 décembre. Le premier club dans le niveau provincial devait avoir un match amical qui a été annulé le 9 janvier. Donc, ils n'ont pas eu de match, que ce soit amical ou officiel, depuis 31 jours. Donc, ça, c'est pas du tout à négliger. Même s'ils ont pu reprendre les entraînements, voilà, on voit quand même que c'est un constat qui n'est pas du tout à négliger. Deuxième club, dans l'élite provinciale, on voit un peu l'inverse. Il y a une autre stratégie qui a été mise en place. Donc, arrêt pareil, 12 décembre. Et ils ont eu l'occasion de faire un match amical le 28 décembre et le 7 janvier. Donc, pas de match depuis 5 jours à l'heure actuelle. Ok, je le redis, on n'est pas sur des matchs officiels de championnat, mais malgré tout, on arrive quand même à mettre un match ou deux amicaux. Donc ça, c'est une autre stratégie. Puis on voit en division nationale, ils étaient partis sur la même stratégie, tout comme en provincial, mais eux ont arrêté plus tard, le 19 décembre, et ils avaient un match amical prévu le 7 janvier qui a été malheureusement annulé aussi. On se doute bien pourquoi. Donc pour eux, pas de match depuis 24 jours. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement pour être très vigilant à ce genre de détails. D'accord? J'y reviendrai plus tard, mais c'est très très important de d'abord cibler quand est-ce que vous avez eu votre dernier match de championnat. Quand est-ce que vous avez eu l'occasion de faire quand même un match amical ou deux? Et quand est-ce que vous avez repris également forcément le chemin des terrains avec les entraînements? Donc ça, c'est vraiment un critère à prendre en compte. Point suivant, donc la reprise des entraînements avec un bilan individuel. Alors, en cas de long trêve, ça c'est ce que j'ai déjà dit tantôt, être vigilant avec vos joueurs. En effet, c'est important d'avoir cette relation de confiance. Il ne faut pas oublier que certains d'entre eux n'auront rien fait durant une longue période. Même si vous leur avez donné un programme, dites-vous bien que la plupart d'entre eux n'auront vraiment rien fait. Et c'est à partir de là qu'il faut démarrer d'un point A pour arriver au point B de la reprise du championnat. À prendre en compte donc également. Bilan individuel. Bah, l'idéal, c'est de faire un relevé de poids, hein, je vous dis, hein, même si ça n'a pas encore été fait, pourquoi pas. Un relevé de poids de masse et de masse grasse également. Alors, la masse grasse, l'idéal, c'est 10% pour un joueur pro, et nous, on évitera d'aller au-delà, à notre niveau amateur et semi-pro, au-delà de 15%. Alors, je vous conseille, si ce n'est pas fait, d'acheter une balance à Indépendance Maître de la marque Tanita. Marque Tanita, rapport qualité-prix,
Je sais bien que ce n'est pas toujours facile dans les clubs, on n'a pas toujours les moyens, mais c'est, croyez-moi, un bon achat pour pouvoir faire un retour après les fêtes. Bon, l'idée, forcément, c'est de le faire avant et après. Mais croyez-moi, vous ne regretterez pas l'achat du tout au niveau qualité, rapport qualité-prix. Ça vous permettra, vous verrez, il y a des tutos pour vous en servir, c'est vraiment pas compliqué. Et ça vous permettra d'avoir une donnée supplémentaire plutôt que seulement le poids, quoi. Alors, si on a une grosse prise de poids et de masse graisseuse importante, l'idéal, c'est d'avoir un programme de remise à niveau tout en sensibilisant le joueur lors de l'entretien. De un, il évitera de se blesser, et puis lui faire comprendre qu'il est dans un projet à nouveau, qu'il a signé pour un club, qu'il s'est engagé, que vous savez très bien qu'il a un métier, des enfants, mais qu'à partir du moment où on s'engage également dans un club, il y a un minimum de professionnalisme à avoir. Voilà, c'est la piste que je vous donne avec vos joueurs pour les aborder de manière à ce qu'ils se reprennent en main s'il y a une prise de poids importante. Et puis, on peut également effectuer un test VMA. Je ne vais pas m'étendre sur comment en faire un. La plupart d'entre vous le savent. Et puis, si vous avez besoin d'infos complémentaires, je vous invite de nouveau à aller revoir le lien que je vous ai donné en début de PDF pour pouvoir voir comment faire un test VMAval. Surtout, faites-en un si la trêve hivernale a été très longue. Moi, personnellement, je n'étais pas toujours avec mes joueurs après la trêve parce que souvent, on n'avait pas une grosse interruption. Donc, je n'y voyais pas toujours la nécessité. Maintenant, si la période a été très longue, je vous conseille vraiment d'en faire une pour avoir une bonne base de travail et avoir des données pour travailler dessus. D'ailleurs, c'est sur ça que je vais m'étendre après. C'est à partir de cette donnée-là que vous allez pouvoir travailler. C'est important. Ajuster et individualiser en fonction de chacun, surtout si la trêve a été très longue. Pour la suite, voici. Là, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais c'est un petit conseil. Je trouvais que c'était nécessaire. On parlait justement de prise de poids. Ben, voilà des petites pistes pour donner à vos joueurs en cas de perte de poids, pour perte de poids. Vous leur donnez un conseil de courir à jeun si possible. Ça permettra de solliciter la filière aérobie. Il va perdre beaucoup plus vite en faisant ça. Des efforts longs et continus à intensité modérée. 2-3 fois à semaine sur une durée d'une demi-heure à 45 minutes, hein, pas plus, parce que comme il est à jeun, tout de suite on va utiliser la voie lipidique, donc c'est-à-dire qu'on va taper dans les graisses tout de suite. Donc ça, c'est des conseils que je vous donne. Dépense calorique doit être supérieure à ce qu'il mange, donc il doit vraiment pratiquer plus de sport de ce qu'il a au niveau alimentaire et éviter tout ce qui est aliment à indice glycémique. Voici deux pages que j'ai repris du magazine Vestiaire, donc c'est pas mon rayon, hein, je préfère le dire honnêtement, donc je ne suis pas nutritionniste ni diététicien, mais je trouvais que c'était assez complet avec les connaissances que j'ai. Je trouvais que c'était assez complet. On a un plan de nourriture avec le déjeuner et souper sur la gauche. Et puis à droite, vous avez un petit aide pour choisir les aliments au niveau glycémique. Je trouvais ça assez sympa comme outil à vous donner, quoi. Alors, le point suivant, donc. On reprend les entraînements, on fait un bilan individuel et puis eh bien, évidemment, il faut commencer à travailler. Là, je vais vous donner maintenant des pistes pour établir une base aérobie, pour faire attention évidemment de travailler avec progression vers l'intensité de la compétition pour éviter également de se blesser. Alors, la piste est celle-ci. Très important de bien quantifier les intensités. Une progression dans le contenu aérobie est primordiale. Cette remise à niveau, elle peut perdurer à partir du jour où vous avez repris les entraînements, jusque les 8 premières semaines, jusqu'à la reprise de la compétition. Maintenant, vous reprenez les entraînements, vous faites ceci 8 semaines, même si on n'a pas repris la compétition entre-temps, sans savoir comment ça va se passer avec le Codeco, je vous invite quand même à suivre ces 8 semaines ici pour remettre tout le monde à niveau. Ça, c'est très important. Comment le faire? Ben, exemple, semaine 1 et 2, on proposera plus des courses avec et sans ballon en aérobie. Aérobie, je rappelle, c'est quand on est capable de parler avec son collègue, surtout la première semaine, c'est plus des séances de fond avec du ballon, par exemple, on peut faire un passing assez long, des situations de jeu sur un terrain plus étendu, et également des jeux de conservation avec des grandes distances. Sur la semaine 2, on sera pareil, sur des séquences de fractionnés avec et sans ballon, et des jeux réduits. Mais des jeux réduits, si la possibilité, évidemment, de vous puissiez le faire avec vos joueurs, parce que là, j'en reviens et j'ai de l'empathie pour certains entraîneurs, c'est très difficile, j'en suis bien conscient. Vos joueurs ne sont pas présents toujours à l'entraînement. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à les avoir à l'entraînement plus on descend dans les niveaux, et plus c'est le cas, j'en suis bien conscient.
Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de match officiel, pas de match de compétition. Donc, un joueur dans sa tête, c'est à quoi bon s'entraîner si je sais que ce week-end, il n'y a pas de match et que je ne vais pas jouer. Donc là, petite astuce, essayer de les tenir avec des matchs amicaux si c'est possible. Et puis, de nouveau, les sensibiliser avec les outils. Voilà, n'oublie pas, tu t'es engagé, tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que je dis ça, parce que du 6 contre 6, 7 contre 7, 8 contre 8, je suis bien conscient que ce n'est pas dans tous les clubs qu'on est capable de le faire. Ça, j'en suis conscient. Mais l'idéal, si vous pouvez, c'est de le faire de cette manière dans la semaine 1 et 2. Ensuite, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, on parlera plus d'exercices se rapprochant de l'intensité de compétition, avec des exercices intermittents. Tout ça, je l'ai développé par la suite, et de jeux réduits. Et là, plus, on va passer sur du 3 contre 3, 4 contre 4, 5 contre 5, dans des surfaces très réduites pour trouver très vite du rythme de compétition. Essayez également d'y ajouter, si possible, minimum un match amical, étant donné que c'est autorisé par semaine, et des retours RPE à chaque séance. Alors, retour RPE, bah, pour ceux qui ne connaissent pas, je le joindrai, Rudy, tu me le rappelleras, tu mets une petite note. Par exemple, à la fin de la séance, vous demandez, avec une échelle de Foster, on appelle ça, vous demandez à vos joueurs, tiens, comment tu as trouvé la séance, de 1 à 10, sachant que 1, c'était très facile, et 10, c'était une de ses plus dures séances qu'il ait jamais eues, très proche de l'intensité de match, voire intensité de match. Et ça vous permettra de pouvoir quantifier un petit peu si vous êtes bien dans cette semaine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, dans ce que vous recherchez. Alors, évidemment, je vais m'étendre très vite là-dessus. La semaine 1 et 2, cette période de reprise qui est importante quand on propose de refaire du fond, c'est-à-dire à ce que le corps retrouve simplement ses mouvements footballistiques et tout ça, ça c'est important de le faire, surtout si la période a été longue. Maintenant, si votre période de trêve forcée ou la période dans laquelle vous n'avez pas du tout eu un contrôle sur vos joueurs a été plus courte, vous pouvez très vite basculer dans les semaines 2, 3, 4, 5, dans l'intensité de compétition. Hein. D'accord, ça, c'est, il faut bien noter ça. Par contre, si c'est l'inverse, si vous n'avez pas eu votre groupe en main ces derniers temps, je vous conseille vraiment de passer sur la semaine 1 et 2, sur des intensités au niveau aérobie. Ça, vraiment, c'est un conseil que je vous donne pour éviter, encore une fois, les blessures. Alors ça, ceci, c'est un tableau que j'ai repris de Bruno Leclerc, que je salue, qui est préparateur physique également, et qui est professeur de PP à l'Union Belge. Je me suis permis de reprendre son tableau qui est assez complet et je l'ai remis évidemment à ma sauce avec ce que je viens de vous dire. Donc ici, les intensités de course durant la trêve hivernale, on va plus les retrouver ici. Alors ce qui est intéressant pour vous, c'est que vous avez le pourcentage de VMA, on en revient d'où l'importance d'en faire un, de test, savoir s'en servir encore une fois, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais soit vous l'avez appris, soit il est possible sur des tutos de se renseigner, si pas vous m'envoyez un mail et je me ferai une joie d'y répondre. Vous avez les intensités, le temps de travail et les différentes intensités extensives et intensives. Ça, c'est vraiment ce qu'on fait plutôt dans les intensités de course, dans la période d'entretien. Ensuite, les intensités de course durant les semaines 1 et 2, elles se situent ici. De nouveau, vous avez le temps de travail, vous avez les intensités et vous avez ici dans quelle zone vous êtes en train de travailler. Ça, c'est ce que je vais vous conseiller si vous n'avez pas eu un contrôle sur vos joueurs durant ces derniers jours. Donc là, on peut retrouver les différentes intensités. Et puis, très vite, il faut retrouver cette intensité de compétition. C'est très important avec ici toutes les données au niveau intermittent. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tout ça, c'est une progressivité. Si ça a été trop long, l'interruption, vous venez ici, vous retravaillez ici, très important. Si jamais ce n'était pas assez long, ça, c'est à vous de sentir hein, en tant que coach. C'est pour ça que je vous disais, la difficulté pour moi, c'est de ne pas être présent dans votre club et de pas, en tant que prépa physique, savoir où en est votre groupe pour tout de suite savoir me situer et reprendre là où on en est. Par contre, je pense que vous avez eu assez de formation, vous avez eu assez de perception avec votre groupe, vous les connaissez vous-même, vous savez vous situer plus ou moins sur les intensités de course à leur donner pour éviter les blessures à nouveau. Ça, c'est pour les courses. Et le tableau suivant, c'est Alexandre Merlès, hein, c'est de 2014. Il est très intéressant aussi. C'est Jérôme à l'époque qui me l'avait donné, Jérôme Chal. Là, on retrouve plutôt pour les jeux réduits. Donc là, le tableau d'avant, on était sur les courses. Ici, je vous donne les données pour les jeux réduits. Alors, semaine jeu réduit, semaine 2, on se situe ici, hein, c'est comme je vous avais dit. Vous avez le 7 contre 7, 8 contre 8. Vous avez les temps de travail. Vous avez l'aire dominante énergétique dans laquelle vous travaillez. Et vous avez également les distances de terrain. Je trouvais ça super intéressant pour vous. Donc, je vous l'ai donné avec une grande joie. Vous voyez ici, hein, vous avez vraiment les dimensions du terrain pour vous travailler avec les joueurs. Faites attention, contrairement au tableau d'avant, le tableau va remonter du bas vers le haut au niveau des intensités.
Semaine 3 et 4 au niveau des jeux réduits, on va se trouver ici, d'accord? Attention, hein, on parle bien des semaines 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 après la trêve hivernale, à partir du moment où vous avez repris les entraînements. Et enfin, très vite, se trouver dans les intensités de compétition. Semaines 5, 6, 7 et 8, on se retrouvera dans les 3 contre 3, 4 contre 4, avec toujours, vous avez le nombre de séquences conseillées, le temps de travail et les distances et les dimensions, pardon. Ainsi que, vous pouvez même retrouver à droite, c'est intéressant, les dominantes que vous pouvez travailler au niveau technico-tactique. Je le trouvais vraiment complet et intéressant pour vous. Et à nouveau, on en revient, hein, toujours dans un principe de progressivité. Si on a une grosse interruption, on est ici. Et si l'interruption n'a pas été très longue, très vite passer ici pour ne pas perdre de rythme avec vos joueurs. Attention, il ne faut pas oublier de travailler en parallèle. Après un bon échauffement, bien entendu, surtout par le temps pareil, j'y reviendrai. Vous pouvez travailler en parallèle dans votre planification des exercices également de vitesse et de force, hein, avec des changements de direction. Ça, c'est toujours intéressant de le faire durant votre séance, des petites piqûres de rappel sur des exercices de vitesse. Ne le faites peut-être pas, surtout si la trêve a été longue, ne le faites peut-être pas au début, dans la semaine 1 et 2, mais très vite, mettez-les quand on va se rapprocher de la compétition. Faites toujours une piqûre de rappel sur ça, ne l'oubliez pas. Alors, on passe au point suivant, qui est pour moi en parallèle. Donc, on vient de parler de rétablir une base aérobie pour vos joueurs. Je viens de vous donner des pistes. Et puis, en parallèle, pour éviter tout ce qui est blessure, c'est très, très important. Et beaucoup le négligent parce qu'on n'a pas toujours les notions, on n'y pense pas forcément. Et puis, on se dit qu'on n'a pas beaucoup le temps de travailler ça avec nos joueurs parce que déjà, on ne les a que deux fois semaine, certains clubs. Et puis, il y a déjà le match à préparer. OK, je suis entièrement d'accord. Je suis passé par là en tant que joueur de niveau aussi amateur. Je sais bien que ce n'est pas évident, mais honnêtement, passer un quart d'heure, quitte à demander aux joueurs de venir un peu plus tôt si c'est possible avec le travail, ou quitte à ce que vous finissiez l'entraînement un quart d'heure plus tard, je vous conseille vraiment de prendre du temps de le faire, surtout à cause de cette trêve forcée, et aussi, je vous conseille de faire tous les ans, même quand il n'y a plus de Covid, surtout pendant cette période hivernale. Je vous conseille vraiment de prendre un quart d'heure pour le faire. Alors, le renforcement musculaire. Durant cette période, il y a un grand risque de blessure, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai repris mon petit tableau, qu'il faut prendre en compte. C'est l'état des terrains, les températures négatives, le manque de mobilité, de renforcement musculaire sont aussi à prendre en compte, et prendre le temps de bien échauffer son corps, surtout par du temps pareil, comme je viens de le dire. Les exercices de prévention générale, de proprioception, donc la proprioception, c'est tout ce qui est renforcement des chevilles, genoux. On peut travailler ça, si on a ça dans son club, avec un bossu, là, on trouve ça chez les kinés, et ainsi de suite, ou avec une planche de Freeman, ils en vendent aussi... à Decathlon à moindre prix pour travailler les entorses de cheville, pour éviter les entorses. Et des exercices de renforcement bas du corps seront maintenus en parallèle dès la reprise des entraînements. C'est très très important en cette période de reprise, comme je viens de vous le dire. L'idéal, et ça c'est forcément quand on a les moyens, c'est d'individualiser ce travail de renforcement musculaire grâce à des tests isocinétiques. Alors, moi je m'en rends bien compte, c'est très très onéreux. Et ce n'est pas toujours réalisable. Donc ça, c'est l'idéal, mais dans nos clubs, on ne sera pas à le faire, on est bien d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un travail de prévention générale, on va le privilégier. Alors, l'idéal, évidemment, c'est comme c'est un travail d'atelier et qu'il fait très froid dehors, l'idéal, c'est de le faire en intérieur, avec les restrictions tout ce qui est prévention Covid, de bien faire ça avec la distanciation et ainsi de suite. Vous pouvez faire ça dans les couloirs, dans la buvette si ça vous le permet. Si on n'a pas tout ça, on peut faire ça même dans le vestiaire. On arrange le vestiaire pour pouvoir le faire. Bref, il y a toujours moyen de trouver une solution pour faire ceci au chaud et pas prendre froid. Ne faites jamais ça dehors. Vous risquez de rendre tout le monde malade et faire pire que mieux. C'est le fameux quart d'heure que je vous parlais. Faites-le en guise de pré-échauffement et surtout pour renforcer les muscles, pour éviter tout ce qui est blessure. Suivi, évidemment, dès qu'on passe dehors, très vite d'un bon échauffement spécifique. On recommandera de procéder de cette manière jusqu'à l'amélioration des terrains. Ça, c'est une diac que j'ai repris de M. Delvaux quand j'avais été une fois un colloque à l'université à Liège. M. Delvaux, donc, recommandait de faire ce que je viens de vous dire, de la prévention individualisée. Mais c'est très onéreux. Donc, la prévention groupée, ben, on voit les avantages. Hein. Elle est facile à mettre en place, vous allez le voir. Elle est peu coûteuse en temps, en budget. Elle ne nécessite pas d'évaluation préalable. Donc, c'est bien. On voit, c'est top. Par contre, les inconvénients, bien, c'est que c'est inadapté chez certains. Donc, ce que vous allez faire, ça ne va pas être bien pour tout le monde.
mais ça sera toujours mieux, croyez-moi, que de ne pas en faire. Alors, ici, j'ai mis la DIA, on ne la voit pas bien du tout, j'en suis bien conscient, mais c'est simplement pour vous faire prendre conscience que il y a des fichiers de la FIFA qui sont mis en place pour tout ce qui est renforcement musculaire et prévention blessure qui sont disponibles sur Internet facilement. Et encore une fois, je pense que sur le lien que je vous ai mis en début de PDF, c'est possible de le trouver également. Vous trouverez toutes les fiches adaptées. Moi, je vais vous en donner d'autres aussi que j'ai réalisées avec mes collègues à l'époque, mais vous verrez que le FIFA 11+ est très bien aussi. Également des exercices de mobilité hein, qui sont très importants à faire aussi. Ça, c'est pas obligé de le faire hein, sur place au niveau du club. Vous pouvez le donner à vos joueurs. Ils peuvent très bien le réaliser chez eux. C'est toujours ça de gagner pour éviter les blessures également. Alors, renforcement bas du corps, on va en parler. C'est important de bien cibler les différents groupes musculaires. Quand on parle bas du corps, eh bien, c'est les chevilles. On a nos mollets, nos quadriceps, les ischio-jambiers, les adducteurs et le psoas. Voici des exercices pour les chevilles. Très simple, si on n'a pas de matériel, vous mettez des ateliers hein, dans la buvette, hein, comme je vous dis, hein, ou dans un couloir. Vous mettez une quinzaine d'ateliers avec les fiches que je vais vous montrer. Vous les mettez par deux, hein, souvent ils aiment bien travailler par deux. Ça, c'est possible simplement si vous n'avez pas de planche. Ils se mettent en appui sur un seul pied. Ils ferment les yeux, c'est beaucoup plus difficile quand on ferme les yeux. Et puis, simplement, tenir l'équilibre pendant une trentaine de secondes en faisant aller les bras également pour faire perdre l'équilibre. Travailler pied gauche, pied droit pour renforcer et éviter les entorses. On peut le faire également quand le temps est un peu plus meilleur. J'ai toujours mis quelques fois des fiches au niveau footballistique. Hein. C'est possible de le faire quand on a le matériel au niveau bossu. Même si on n'a pas de bossu, c'est possible. Le joueur reste en appui sur un seul pied et vous lui remettez chaque fois un ballon qui remet intérieur du pied. Pied gauche, pied droit, ça c'est possible également. Avant d'aller plus loin, je tiens à signaler que toutes ces fiches ont été réalisées pour le centre de formation de Moucron. Je les ai réalisées à l'époque avec mes collègues Henri de Cabotter et Donovan Fauquenois, qui sont préparateurs physiques là-bas au centre de formation, que je salue également. On avait pris beaucoup de temps, je pense qu'il y a une septantaine de fiches qu'on avait faites, conçues ensemble à l'époque, ciblant tous les groupes musculaires. Donc ça, c'est pour les chevilles. Pour les mollets, très simple, hein, on se met en appui sur un step, pointe de pied. Si on n'a pas de step, eh bien, on prend simplement une marche. Hein, et on monte sur pointe de pied avec un poids. L'idéal, c'est d'avoir des poids en main. Et on vient monter plusieurs répétitions sur pointe de pied, une trentaine, quarantaine de secondes. Pareil, niveau foot, quand le temps le permet, on peut effectuer ça. Quelques montées, quelques petits bondissements avec une haie basse, hein, après un bon échauffement à nouveau. Et puis, on vient faire quelques extensions coup de tête à l'arrêt ou sur un centre. C'est possible aussi. Les quadriceps, hein, un exercice très connu, une trentaine, quarantaine de secondes, vous mettez vos joueurs par deux et vous leur faites la chaise une quarantaine de secondes. Alors, les nordiques, un exercice très connu dans le domaine de la prépa physique pour éviter les blessures au niveau des ischios jambiers, donc à l'arrière de la cuisse. Hein, c'est le muscle ciblé, malheureusement, dans le foot, où il y a le plus souvent des blessures. Et ceci, croyez-moi, après plusieurs études, c'est un exercice, je l'ai pratiqué très longtemps, je touche du bois, du singe, j'ai très très peu de blessures aux ischio dans ma carrière, notamment parce que je pratiquais ce type d'exercice. Attention, il faut être très vigilant, si vos joueurs n'en ont jamais fait, commencez par d'abord bien leur montrer la posture, il y a des tutos le montrant, et puis à nouveau, commencez par très peu de répètes, 3-4 répètes, pas plus. Pour finalement augmenter au fur et à mesure des semaines, vous augmentez le nombre de répétitions pour éviter que ça soit trop traumatique au niveau des fibres. Un autre exercice pour les ischio-jambiers, simplement, vous faites la planche avec un poids également. Le joueur vient bien s'aligner en équilibre. Il revient à la position initiale avant de changer de jambe. Il alterne jambe gauche, jambe droite. Pareil, là, il est marqué 10 à 15 répétitions par jambe. Celui-ci est moins traumatique au niveau des répétitions. C'est vraiment l'exercice précédent, donc celui-ci qu'il faut être vigilant. Le psoas, un exercice à pas négliger également. Vous voyez, c'était fait au centre de formation. Simplement, il vient monter avec la jambe en skipping, en ayant des poids en main. Il vient monter sa jambe à l'horizontale. Plusieurs répétitions également. On peut faire la même chose, vous voyez, avec un ballon. Hein. Donc simplement, une petite remise, ça permet de travailler un peu la technique en même temps. Remise pied gauche, intérieur du pied, tout ça, vous pouvez varier aussi. Un petit contrôle poitrine, si c'est possible, on remet. C'est à vous d'être créatif. Les adducteurs, très très important, j'insiste dessus. Les adducteurs, durant cette période, sont vraiment, vraiment à ne pas négliger, surtout quand les terrains sont bleus.
Très simple. Là, c'est avec un flow-in, on appelle ça un flow-in. Vous faites ça sur le parterre de la buvette. Si vous n'avez pas de flow-in, vous prenez simplement un essuie de vaisselle, vous le mettez au sol, le joueur pose le pied dessus et ils font des va-et-vient d'aller-retour avec le flow-in ou l'essuie de vaisselle au sol pour bien renforcer les adducteurs. Et même chose, sur la droite, je vous ai mis un petit schéma avec un élastique. Ces élastiques-là, on les trouve à Decathlon. De nouveau, c'est vraiment pas cher. Vous pouvez en acheter une vingtaine pour vos joueurs. Ça permet également, là je montre pour les adducteurs, mais pour renforcer, ça vous voyez les tutos sur Internet, hein, ça peut renforcer d'autres parties du bas du corps. C'est toujours intéressant d'en avoir également dans vos clubs avec vos équipes. Voilà un petit peu pour le renforcement musculaire. Je vais terminer un petit peu par une conclusion en vous expliquant le déroulement d'une séance en cette période hivernale. Et puis, je terminerai en vous donnant, comme je vous l'ai dit, un exemple de programme pour des joueurs infectés par le Covid, si jamais ils viennent à vous téléphoner pour qu'ils gardent la forme. Alors, je l'ai mis tout en bas. Jamais de joueur à l'arrêt. Ça, c'est vraiment primordial. N'ayez jamais un joueur qui est en attente dans une file ou quoi que ce soit, ou quand vous devez expliquer. Prenez le moins de temps possible. Ça permettra au corps de ne pas se refroidir et d'éviter, c'est de mettre encore des chances de votre côté pour éviter des blessures. Alors, le déroulement, ben, on en parlait. Essayez de prendre 15 minutes. Vous allez à l'intérieur, vous faites un circuit, 15, 20 ateliers. Si vous voulez d'autres exercices, j'en ai un tas. Vous m'envoyez un petit mail, il n'y a aucun souci. Ça sera signe de pré-échauffement. Et franchement, vous allez mettre vraiment vos chances de votre côté pour éviter des blessures en faisant ce type d'exercice. Vous prenez 15 minutes, pas plus. Et puis, très vite, vous allez sur le terrain. Votre terrain, évidemment, déjà prêt à dans les transitions, hein, que ce soit pour l'échauffement, vous passez à vos formes de jeu, tout ça. Tout doit être prêt. Essayez un maximum. Je sais bien que même en tant que coach, des fois, c'est difficile quand on rentre du travail d'aller plutôt tout préparer, mais faites-le, quitte à chapeauter et perdre encore 5 minutes de votre temps, mais faites en sorte que tout soit prêt pour qu'il n'y ait aucun temps mort dans les transitions et dans les explications avec vos joueurs. Ça aussi, c'est mettre des chances de votre côté pour éviter les blessures. Un échauffement général et spécifique de 15 minutes, d'accord, gamme sans et avec ballon. Vous faites un passing et ainsi de suite. Ça, c'est vous qui voyez, hein, ou PPG traditionnel. Attention à la température extérieure et à l'état des terrains, je le rappelle. Ensuite, vous incorporez des étirements activo-dynamiques avant les jeux réduits, les conservations, ou tout ce qui est technico-tactique. Ça, je vous le conseille également pour mettre vos chances de votre côté. Il s'agit de contracter le muscle en étirement, 6 à 10 secondes, et puis vous le relâchez et vous effectuez une action dynamique. Exemple, vous étirez le mollet. Bon, là, je ne vais pas montrer comment faire, mais vous savez tous comment étirer les mollets. Ils étirent les mollets 6 à 10 secondes, gauche et droite, et puis très vite, vous passez sur des montées de jambes ou sur des sauts sur pointe de pied. Même chose, étirement des ischios jambiers, vous étirez les ischios, et très vite, vous passez en talons-fesses dans l'axe et désaxé. Étirement des quadris, vous faites des montées de genoux, hein, du skipping. Pareil pour les adducteurs, on étire bien les adducteurs, et puis très vite, vous passez sur des appuis latéraux. Ça permet vraiment de bien... Ça prend pas longtemps, hein, ça, franchement, ça vous prend 2 minutes à tout casser. Vous faites ça, vous prenez le temps, et très vite, vous basculez sur vos exercices, soit de blocs de course ou des jeux réduits de conservation, voire dits à précédente, hein, c'est exactement ce que je vous expliquais tout à l'heure au niveau de la quantification. Et puis, ouais, vous terminez, ça c'est libre à vous, hein, vous terminez par des exercices technico-tactiques et un petit cooling down, donc c'est un petit retour au calme. À nouveau, évitez de faire, enfin, quand on voit les jeux de la barre, vous savez, là, on a l'habitude des fois de faire ça, grand rétang, on essaie de toucher la latte, et puis on peut rentrer au vestiaire. Évitez de faire ça en cette période, ou des jeux qui sont à l'arrêt, hein, encore une fois. Faites un petit jeu plus fun, hein, un petit truc de compétition, mais où ils sont actifs pour éviter d'être à l'arrêt. Alors, ici, c'est des conseils que je vous donne pour les programmes de joueurs infectés par le Covid. Un joueur vous téléphone. Et vous dites, voilà, coach, je suis en quarantaine pendant 7 à 10 jours, hein, je ne sais plus exactement, non, pour que des coups, hein, c'est vrai que ça joue souvent, soit. D'abord, posez quand même lui la question de savoir comment il se sent, parce que si forcément il a des symptômes, le médecin lui conseille de se reposer, bah, qu'il reste bien au chaud chez lui pour revenir en forme. Si ce n'est pas le cas, qu'il se sent apte à quand même pratiquer du sport et que c'est plus par prévention qu'il ne peut pas venir pour éviter de donner une contamination à tout votre vestiaire, bah, alors vous lui donnez ça. Hein. Pour ça, c'est un exemple. Encore une fois, ça dépend où vous vous situez. Si c'est à la reprise, ben, on parlera plus de fond. Vous faites 2 blocs de 20 minutes à allure de course aérobie. Et puis, vous leur donnez une petite vidéo technique. Hein. Ça, c'est un lien YouTube que j'ai mis avec tous des exercices foot qu'ils peuvent réaliser dans son jardin très facilement. Il suffit d'avoir quelques plots ou des repères.
un petit programme d'abdominaux, et alors les fameux renforcements musculaires. D'ailleurs, ça, vous pouvez vous en inspirer pour faire la fameuse préactivation dans le couloir qui vous prend un quart d'heure. Ça, voilà, bah, c'est 8 ateliers que vous pouvez déjà mettre en place avec vos joueurs. Et pour lui, bah, c'est pareil à la maison, ça ne prend pas de matériel, il sait faire ça à la maison facilement, ça reprend tous les groupes musculaires, hein, on voit cheville, mollet, quadri, ischio, adducteur, psoas, il sait faire ça facilement chez lui. Voilà. Si vous avez besoin d'infos complémentaires au niveau de la quantification sur les temps de travail, n'hésitez pas à venir vers moi si vous voulez d'autres fiches pour des joueurs infectés par le Covid. Je tiens à vous remercier pour votre attention. Surtout, prenez soin de vous, de vos proches en cette période. C'est vraiment très compliqué. Rudy l'a dit tout à l'heure. Restons soudés les uns les autres. C'est super important. C'est sûr que le Codeco, je le rejoins, ça ne doit pas être évident. Souvent, j'ai de l'empathie pour eux. Ils font peut-être pas toujours les bons choix. On aimerait tous reprendre le chemin des terrains ainsi. Mais voilà, il faut qu'on reste solidaire. On n'a pas le choix et on appréciera d'autant plus les bons moments qu'on passera, ce soit avec nos amis sur le terrain, sur et en dehors, quoi. Voilà, je tiens à vous remercier pour votre écoute et je suis à votre disposition si vous avez les moindres questions. Merci à vous. Voilà, eh bien, merci Bastien pour cet exposé. Moi, ce que je relève, c'est que vraiment, tu as donné des outils où on n'a pas besoin d'acheter des logiciels, on n'a pas besoin d'avoir des licences, et au niveau matériel aussi, où finalement tout est à disposition des clubs. Et ça, c'est intéressant, surtout pour le football amateur, parce que parfois, on a l'impression que plus on a les meilleurs logiciels, le meilleur matériel de haut niveau ou dernier cri, ben, on peut faire du bon travail. Voilà, tu as quand même démontré qu'avec des matériels basiques, on peut Tout à faire pas fait. mal de choses. Tout à fait, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est sûr que vraiment, comme j'ai dit en début de PowerPoint, je me suis vraiment adapté à leur niveau parce que j'ai pu le connaître aussi en tant que joueur. Et c'est vrai que c'est vraiment pas compliqué. C'est vraiment très compliqué de travailler dans certaines situations. Et ce que je me dis surtout, c'est le nombre de joueurs. Là, je reste persuadé. Il faudrait avoir un petit retour de certains entraîneurs que c'est très compliqué d'avoir leurs joueurs actuellement. Je parlais, c'est ça, hein, j'ai relevé 7 contre 7, 8 contre 8. Je me rends bien compte que dans certains clubs, c'est très, très, très compliqué de mettre ça en place. Mais voilà, j'ai donné d'autres outils à faire, à mettre en route dans les entraînements pour y remédier, en tout cas. Voilà, ben voilà, répondez un peu à la question de Bastien. Est-ce qu'actuellement, vous avez tous vos joueurs? Je sais que certains, comme ceux qui sont en petit supérieur, ben, sont en bloc, hein, donc ça, on respecte. Mais est-ce que dans cette période un peu compliquée, même si on sait qu'on fait l'entraînement le jeudi ou même le vendredi, on sait qu'il n'y a pas de match, ben, c'est toujours particulier. Hein, pas ce match du week-end, même si on va jouer un match amical, ben, c'est pas, on n'est pas dans les mêmes dispositions mentales pour aborder le week-end. Tout à Donc fait. voilà, ben, déjà, voilà, quelques merci aussi pour ta présentation. Donc Merci à eux, hein, pour leur voilà, écoute. merci aussi à vous pour. Ben voilà, bon boulot Jean-Luc. Voilà, donc tout à dans quelques minutes. Mais salutations, Jean-Luc. Hein. Bon Voilà, courage. je savais que tu le connaissais. Ouais. Alors, il y avait une question tout à l'heure de Thierry De Smet. Quand tu as commencé à parler du footing, il disait quelle durée conseillez-vous pour le footing? Encore une fois, on en revient. Hein. Tout dépend à quel moment on se situe. Est-ce que c'est une question qui nous vient en période de trêve hivernale ou est-ce que c'est en reprise des entraînements et après une grosse interruption, vous n'avez pas eu l'occasion de voir vos joueurs ou est-ce que voilà, on a déjà bien repris le chemin des entraînements et est-ce que doit-on faire du footing à ce moment-là? Alors, pour répondre à la première chose, si c'est dans la période hivernale, on est plus sûr de 40 à 1 heure de course en fonction des dispos de chacun et de la motivation, encore une fois. Si on est sur une reprise après peu d'interruptions, ben, l'aérobie, on va pas la faire longtemps. On n'a pas besoin de faire des footings très longs parce qu'on peut très vite repasser sur l'intensité de compétition. Par contre, si la trêve, l'après-trêve avant, entre la trêve hivernale et la reprise des entraînements a été longue, alors là, je conseillerais de nouveau de repasser sur du 30 à 40 minutes. Comme j'ai dit, il ne faut pas s'étaler longtemps, 1 semaine ou 2, pas plus, et puis très vite, il faut retrouver l'intensité de compétition pour être prêt lors de quand le Codeco aura décidé, quand on pourra reprendre les matchs officiels. Voilà, je t'affiche Ouais, une j'ai vu, question. tu fais bien la relever, j'ai vu cette question, elle est intéressante. Alors, tout à fait, et ça, je l'ai souligné tout à l'heure en début de PDF, PowerPoint, c'est sûr que moi, l'idéal pour moi, c'est d'être dans votre club, je serai présent et je peux co co corriger les postures. Ça, il a tout à fait raison de le relever.
Maintenant, il existe des tutos vraiment bien faits et le coach, s'il s'intéresse un minimum, il va voir, et je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le font, il va voir un tuto ou deux sur des corrections d'exercices à faire, sur les fiches que je vous ai données tout à l'heure. Et franchement, c'est bien expliqué, on les trouve facilement. Et puis, avec ces joueurs, honnêtement, sur les fiches que j'ai données, j'ai fait exprès de bien montrer que des fiches où allez, où les postures ne sont pas trop difficiles à corriger. Donc, inspirez-vous des fiches que je vous ai données. Je n'ai pas parlé de gainage dans les fiches, hein, mais je souligne également, faites bien un travail de renforcement au niveau gainage, au niveau postural, latéral et niveau pour le grand droit et les obliques. Hein. Donc, faites bien également du gainage, quoi. Okay. Et donc, je vous ai mis dans le chat, je vous ai mis le lien de la vidéo qu'on avait réalisée avec CFTV au début du confinement, laquelle a fait référence tout à l'heure, Bastien. Donc, comme ça, vous pouvez aller la revoir. Je l'ai mis dans le chat. Alors, au niveau de sa présentation et aussi de la vidéo, vous pouvez la revoir sur notre chaîne YouTube, mais vous pouvez la revoir aussi sur notre plateforme de formation continue. Donc, ceux qui sont membres et ceux qui ont participé à nos formations ont déjà un compte via cette plateforme. Donc, je mettrai les deux. Et si vous avez une question ou l'autre, ben, voilà, vous pouvez la poser. Il y a un fil de discussion et Bastien, ben, il va recevoir directement par mail les questions si vous avez encore d'autres présentations. Alors, N'hésitez pas. voilà, n'hésitez pas. C'est ça l'avantage du live, c'est de pouvoir justement répondre à vos questions avec l'invité du jour ici présent. Alors, rappelez aussi que j'ai mis dans le chat le temps que. Alors, l'adresse mail, ben, c'est la mienne en fait. Hein, donc, je vais l'afficher comme ça, vous l'avez. M'envoyer un mail. Hop. Voilà. Voilà, vous m'envoyez un mail et je vous ajouterai, vous recevrez d'ici demain ou après-demain le lien pour vous connecter à cette plateforme. Le but de cette plateforme, c'est vraiment de pouvoir mettre à un endroit toutes les ressources, toutes les présentations, tous les documents que nous communiquons lors des formations. Ainsi, ben voilà, si vous perdez une info ou l'autre, ben vous pouvez vous y connecter, revoir aussi. Vous pouvez revoir aussi nos anciens colloques ou webinaires. Et vous pouvez aussi, vous avez voilà, un forum de discussion où vous pouvez échanger entre vous ou avec l'orateur pour prolonger un peu le débat ou préciser certaines choses que vous n'avez pas compris ou approfondir certaines choses. Donc voilà, n'hésitez pas par rapport à ça. Est-ce que niveau maintenant des matchs amicaux, est-ce qu'il faut garder, est-ce qu'on joue toujours sur le même niveau ou essayer d'alterner? Qu'est-ce que tu en penses? Parce que c'est vrai qu'ici, on se dirige très certainement jusqu'à fin janvier, début février, puisque le Codeco est vers le 18 janvier. Donc, qu'est-ce que tu conseilles au niveau de l'intensité par rapport aux matchs amicaux? Sur le choix d'équipe, tu veux dire, Oui, Rudy, pour c'est les ça? fans d'équipe. Ouais. À nouveau, l'idéal, c'est de prendre une équipe de votre niveau inférieur au moment de la reprise des entraînements. Et très vite, mais ça, c'est toujours difficile en fonction de la date du Codeco, quand est-ce qu'elle va pouvoir reprendre. Très vite, il faut pouvoir mettre un match amical de votre niveau, quoi. Retrouver très vite cette intensité de compétition parce que forcément, si vous faites l'inverse, vous allez vous retrouver avec une opposition qui n'est pas du tout de votre niveau. Alors, ça va être bénéfique pour l'équipe en face, mais pas pour vous du tout. Ça va être contre-productif. Donc, il faut pouvoir vraiment commencer par des matchs amicaux d'un moindre niveau quand vous reprenez, surtout si la période de la très forcée est très longue. Et puis, au fur et à mesure qu'on aura cette fameuse date de reprise, alors là, vous essaierez de trouver un match de votre niveau. Voilà, question de Bruno Parfondry, que Ouais. je salue. Tomo Ouais, d'ordre, coach et progressivité aussi pour les cas de Covid, je suppose. pour ceux qui viennent d'être infectés également, oui, tout à fait. La fiche que je vous ai donnée en fin de PDF, j'insiste, donnez-la leur, hein, forcément, si leur état de santé est bon. Ils doivent vraiment rester dans cet entretien, c'est super important. Et des petites vidéos, vous en trouverez un tas, ça va les motiver. Vous en trouverez un tas sur Internet avec du ballon aussi, hein, parce que de la course, on sait très bien, on a été tous joueurs, faire que courir un joueur
ouais, ça va deux fois, mais il ne va pas vous le faire trois fois. S'il le fait deux fois, on est content. Donc, n'hésitez pas à leur mettre aussi des exercices ou qu'il peut pratiquer chez lui pour rester en condition, quoi. La progressivité, bah, elle est la même, hein. De toute façon, maintenant, on est plus longtemps infecté, hein, donc très vite, on revient, je pense, c'est 7 à 10 jours. Donc, ça n'est pas un problème de ce côté-là, quoi. Est-ce qu'il y a des exercices qui travaillent aussi un peu l'aspect mental? Parce que c'est vrai que c'est toujours une période particulière qui est ici. Donc la trêve, on sait qu'il y a une trêve. Puis le fait, finalement, tu as toujours un peu cette attente de pouvoir recommencer finalement le championnat, pour lequel tu joues aussi, hein, même si c'est pour la beauté du sport. Mais bon, tout le monde, dès qu'il passe au championnat, le but, c'est de jouer des matchs de compétition, de pouvoir gagner. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme style de jeu qui travaillerait aussi la condition physique pour garder un peu ce mental, en fait Durant les séances d'entraînement, tu veux dire? Ouais, beaucoup de compétitions. Hein. Beaucoup de compétitions. Souvent, les joueurs adorent ça. Hein, que ce soit dans les matchs où vous mettez des gages pour le perdant, le vestiaire, remettre le matériel. Enfin, cette coach ont des outils pour ça. Mais c'est vrai qu'on a tendance des fois à l'oublier. On fait l'entraînement pour dire de faire l'entraînement, mais on oublie ce petit côté challenge. Et ça, vraiment, n'hésitez pas. Ils sont à la demande. Vous allez voir très vite. Vous allez avoir une autre dynamique dans votre entraînement quand vous allez commencer à mettre ces petits gages. Ça peut être un verre après. À la buvette ou je ne sais pas, il faut vraiment être créatif et ça, vous allez voir, ça fonctionne très bien. On peut même faire des tournois entre joueurs quand on passe sur nos jeux réduits. On peut faire un classement et ainsi de suite. Ça c'est vraiment un bon conseil que j'ai à vous donner. Les seniors sont aussi des grands enfants. Bien sûr, on reste des grands enfants. Hein. C'est aussi pour le plaisir, hein, qu'on joue. Donc Grégory, je pense que tu n'étais peut-être pas là tout de suite, mais donc pour tout ce qui est fichier, tout va être. Donc vous pouvez revoir l'émission, bah, aussi sur notre chaîne YouTube CFTV. Donc abonnez-vous, comme ça, bah, vous avez les petites alertes quand on diffuse l'émission. Normalement, on va reprendre une émission une fois par mois, mais le jour changera, tout dépend de la thématique. Alors c'est clair que si on aborde une thématique plus football des jeunes, ben on va peut-être programmer l'émission un mardi ou un jeudi parce qu'on sait qu'il y a très peu d'entraînement au niveau jeune en dessous du football à 11 ces jours-là. Et inversement, quand on aura des thématiques pour les seniors, comme aujourd'hui, ben on le fait le mercredi pour vous permettre de pouvoir assister au plus grand nombre à ces émissions. Donc vous retrouverez ça aussi sur notre plateforme. Donc ceux qui ne sont pas inscrits à l'émission, ben vous pouvez m'envoyer un mail. Que je vais encore afficher ici. Vous m'envoyez un mail et ainsi vous recevrez d'ici un ou deux jours un lien pour vous connecter à notre plateforme de formation continue. Voilà, tous nos membres ont accès gratuitement à toute notre plateforme, donc ils peuvent revoir tous nos webinaires, notre colloque l'année passée avec Chris Van der Hag, nos colloques aussi des années précédentes. Voilà, avoir accès à toute ressource pour vous aider dans vos travail quotidien. Hop, je regarde ici. Hop, voilà, encore une question. Michel Godefroy. Voilà. Très bonne question, ouais. Très bonne question de Michel que je salue. Bonsoir. Les efforts de vitesse, oui, demandent une longue récupération, tout à fait. D'ailleurs, je disais, hein, que c'était important de faire des petites piqûres de rappel en parallèle, hein, je tiens à le rappeler. Tout à fait, c'est très juste. En cette période, la récupération est longue. Quand on fait un effort de vitesse, il faut savoir, hein, qu'on doit toujours le faire. La récup doit être 15 à 20 fois le temps de travail. Donc, pour un effort de vitesse, souvent sur 10 mètres, on est sur 2 secondes d'effort. Donc, faites le compte, 2 fois 15, 2 fois 20, on est sur 30 à 40 secondes de récupération, ce qui peut être assez long en effet. Alors, les pistes que je donnais, si on n'est pas trop froid, qu'il ne fait pas trop humide, alors à ce moment-là, on demandera au joueur de faire un exercice, on en profite de gainage, hein, de renforcement musculaire. S'il fait un peu plus froid, bah, la récupération, elle se fait active, hein, c'est-à-dire qu'on a fini notre vitesse, qu'elle soit avec ou sans changement de direction pour travailler la force excentrique. On fait un petit retour en course, hein. Donc on retourne dans les films de départ sur de la course active. On peut également mettre un peu de ballon dans le sens où, évidemment, il ne faut pas que ce soit intensif, hein, parce qu'on travaille la vitesse, on est bien d'accord que ça doit être une récupération active ou passive en fonction du temps. Vous pouvez mettre un ballon par deux, ils font un petit euro ou ils font des petites gammes de remise. Enfin voilà, il y a moyen de les garder actifs entre-temps à chaque fois. Mais c'est sûr que les laisser 40 secondes à 1 minute de récupération à l'arrêt, ce n'est pas ce qui est préconisé. Voilà, une autre question de Nicolas Bouquiot que je salue. Pour les différents exercices que vous proposez, comment s'adapter au niveau de l'équipe ou à la catégorie? Merci.
Alors oui, ici, donc j'ai bien suivi le PDF sur les équipes seniors, hein, ce qui avait été vu au départ. Quand il parle d'exercice, j'imagine que c'est pour les exercices de renforcement, hein, je suppose. Voilà, Nicolas, si tu sais préciser peut-être si c'est par rapport Ou aux exercices de renforcement. alors plutôt de course. Donc ici, Bastien a vraiment ciblé niveau amateur et semi-professionnel, hein, parce que généralement, Ouais. professionnel, généralement, on peut avoir aussi à disposition, on a peut-être aussi un Tout à préparateur fait. physique dans son staff, que peut-être en amateur, on ne l'a pas Oui, c'est parfois. ça, tout à fait. Exactement, On a oui. des Hein, équipes qui engagent au début de saison, voilà, juste pour la tout à fait. préparation, mais après, on ne peut pas, on n'a pas les moyens ou les ressources de continuer à le payer. Oui, Ah, renforcer, c'est voilà. pour renforcer. Alors, pour renforcer, tout ce qui est gainage, renforcement gainage, donc comme je disais, la planche sur le côté, pour les obliques et ainsi de suite, gainage latéral, il n'y a pas de souci, on peut le faire avec les catégories d'âge. Bon, évidemment, ne faites pas ça à des tout petits, mais 12, 13, 14, on peut déjà commencer à le faire. Des exercices de fente avant pour renforcer les cuisses, ça, c'est pas un souci, on peut les faire aussi. Des squats, quelques squats, forcément sans charge, hein. Ça, c'est possible également. Bah, les exercices que j'ai montrés tout à l'heure, où on se met sur un pied pour renforcer les chevilles, il n'y a aucun traumatisme à pouvoir faire ça. Quelques montées sur pointe de pied pour renforcer les mollets, il n'y a aucun inconvénient à le faire dans les exercices que j'ai donnés. Ce qu'il faut être vigilant, c'est évidemment de ne pas mettre trop de séries, de ne pas mettre de poids, aucune charge, travailler avec le poids de corps et éviter des trop longues séries, quoi. C'est surtout sur ça qu'il faut faire attention. Voilà. Voilà, n'hésitez pas encore, voilà, encore quelques minutes si vous voulez encore poser des questions Oui, n'hésitez pas, bien sûr. à Bastien. Et puis dans quelques instants, on aura le nom des trois gagnants pour le brassard voilà, de la SEF, qui est un peu notre symbole en fait, de l'association des entraîneurs. Tu recevras aussi Bastien, comme Ah, ça. merci beaucoup. Merci, Rudy. Merci. Voilà, n'hésitez pas si vous avez encore une ou deux questions. T'en prie, Voilà, merci Nicolas. Nicolas. Avec plaisir. Avec À plaisir. ton service, on est là pour ça. Et n'hésitez pas aussi, si vous avez des suggestions thématiques pour la CFTV, voilà, contactez-moi et faites-nous vos suggestions et on essaiera d'y répondre aussi en fonction du temps de la saison, de l'opportunité. Donc je vous rappelle que maintenant, on va essayer de reprendre, on va reprendre nos émissions de manière mensuelle, avec des jours bien spécifiques en fonction de la thématique, afin que les personnes qui sont concernées par cette thématique puissent y assister. De toute manière, vous pouvez revoir toutes nos émissions sur notre chaîne YouTube et SEF TV. Voilà, abonnez-vous, comme ça vous serez au courant de toutes les mises à jour. Juste refaire peut-être, pendant que vous cogitez vos questions. Alors, donc, toutes les formations MultiSkills, donc les formations MultiSkills niveau 1 reprennent le 28 février au club de Herve. Voilà, les niveaux 2 seront organisés pendant le mois de juin. Donc pour participer au niveau 2, il faut bien évidemment avoir suivi le niveau 1. Et grâce à cette participation, vous avez accès à une bibliothèque assez énorme de vidéos sur tous les exercices des niveaux 1 et 2 au niveau de MultiSkills. Donc 28 février, ça reprend à Herve. Et si vous voulez avoir toutes les infos, n'hésitez pas. Vous pouvez retrouver toutes nos actualités sur le site de la SAF. Tu connais MultiSkills, Bastien? Oui, j'ai déjà eu l'occasion d'avoir une formation dessus. Voilà, C'est vraiment intéressant. Je le conseille vraiment aux c'est très ludique. entraîneurs. Ouais, tout à Voilà, et fait. même pour les adultes, hein, parce que c'est Ouais, aussi pas ouais, mal ouais. du jeu. Il y a C'est assez fun. vraiment des bonnes choses à prendre. Ouais. Voilà, tout à fait. Vous pouvez Ouais. adapter, mais Tout à que ce fait. soit bien au niveau des jeunes et que ce soit des adultes, vous allez voir, ils Ouais. vont se prendre au jeu. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vais regarder Non, je vous le ici. conseille, ouais. Voilà, je vois que. Hop, je pense que j'ai vu une question. Voilà, intéressant. Dommageable de mettre l'entraînement par semaine dans le sable également en saison. Ouf, Intéressant ou dommageable? ouais, faut être très très vigilant. Hein. Si on est sur un rythme de deux entraînements match plus match, je conseille pas de le faire. Ça peut être traumatisant, surtout quand on n'a pas l'habitude de le faire avec les joueurs. Par contre, si on est sur un niveau plus semi-pro, voire pro, c'est très intéressant de le faire. Mais quand on est sur peu de charges de travail à la semaine, c'est plutôt dommageable, je dirais plutôt dommageable, et plutôt intéressant quand on est sur plus d'intervention avec nos joueurs dans le courant de la semaine, quoi. Ouais, parce que c'est quand même une charge là, quand même pendant le Ouais, sable, c'est quand même pas après, ça peut être intéressant hein, pour également renforcer au niveau prévention blessure.
mais ça peut être contre-productif si c'est pas bien, si c'est pas bien dosé, si le joueur n'a pas l'habitude de le faire, quoi. Ça peut être dangereux aussi. Mais c'est une bonne question, très bonne question. Merci, Benjamin. Voilà, ben vous voyez apparaître ben les trois gagnants de ce soir. C'est Félicitations à eux. Bruno Parfondry, Nicolas Bouquiot et Michel Godefroy, donc qui voilà, vont recevoir notre brassard. Donc envoyez-moi un petit mail avec votre adresse et je vous fais parvenir ça dans la semaine. Voilà, félicitations à vous. Merci aussi pour votre Merci. participation et aussi votre fidélité à l'émission. Alors je regarde s'il n'y a pas. Hop, voilà. Voilà, ben. Bastien, De je te rien, remercie Benjamin. vraiment pour ta Avec présentation, pour plaisir. ta disponibilité. Merci à toi, Rudy, et à la CEFF pour l'invitation. Merci beaucoup. Ben, sans souci, on est là pour ça. Bah Et oui, c'est on est gay, là pour ça. le partage et tout Surtout ça, c'est vraiment dire. intéressant. Bravo à vous. Surtout dire qu'on ne se connaissait pas en plus. Ouais. On avait l'occasion Donc de voilà. se croiser, hein, des rassemblements, mais Oui, on s'est sûrement on n'a croisés, pas mais eu le bon, temps on avait d'échanger. Ouais. voilà, d'échanger ici. Et donc voilà, ça c'est un peu la magie des réseaux Tout sociaux. Au moins, on à peut fait. étendre nos champs de connaissances, aussi de pouvoir connaître d'autres personnes. Et Tout donc, à je trouve fait. que c'est très intéressant aussi par rapport à ton parcours. Merci beaucoup à Bruno, là, merci à lui. Merci. Et bonne saison à tout le monde également. Hein. Bonne saison. Et comme je disais, soyons solidaires à nouveau et prenons notre mal en patience. Exactement. Vraiment, qu'on ne fasse pas ce clivage, qu'on soit vacciné ou pas vacciné, Oui, bien honnêtement, on sûr. est tous dans le même bateau. Tout à fait. Donc, quand je vois parfois des discussions un peu stériles sur les réseaux sociaux, je pense que voilà, le truc commun qu'on a, c'est que chacun, on propage le virus. Voilà, on sait que même en tant que vacciné, ce n'est pas la Tout à fait. panacée. Ça diminue peut-être les effets négatifs ou graves sur notre santé, mais on peut toujours contaminer d'autres. Donc chacun, ben voilà, soyons responsables, soyons disciplinés, et je pense qu'au lieu de se battre par réseaux sociaux interposés, ben voilà, chacun, respectons les gestes barrières et Tout à fait. faisons que cette pandémie s'arrête, en fait. Plus elle va s'arrêter tôt et plus on va recommencer à jouer, et toute notre vie aussi, hein, peut-être qu'on est moins impacté maintenant qu'au début, mais on voit quand même qu'on peut revenir à un moment donné à un certain lockdown, et ça serait vraiment très dommageable parce que sur le long terme, c'est difficile à vivre. Moi, je me rappelle les 3 premiers mois, on s'est dit, oh, ce n'est que 3 mois, on va prendre sur nous. Voilà, sur le long terme, on voit quand même que Ouais. ça a quand même beaucoup d'impact aussi sur le mental aussi, hein. On voit quand même que il y a beaucoup d'énervement. Je ne sais pas si tu le Ouais, c'est sens, vrai, mais hein, c'est vrai, tout à fait. l'agressivité dans la société, mais aussi sur le terrain. Je ne sais pas si tu le Tout à fait, mais ressens. c'est une question de. Allez, en soi, hein, il faut bien se prendre compte qu'on est tous dans le même bateau, comme tu viens de le dire. Mais surtout, voilà, faisons le maximum, restons solidaires, et croyez-moi, quand on va revenir à la vie normale, on appréciera d'autant mieux les bons moments. Meilleurs Exactement, vœux à tout le monde, là. Et je ne manquerai pas, monsieur Saint-Jean, là, je viens de voir passer le message. voilà. Ouais. Bon, on est Je encore au manquerai mois de janvier, hein, donc on peut aller jusqu'au 31, on peut encore souhaiter nos voeux. Voilà. Ben voilà, on est à votre disposition, hein, donc n'hésitez pas à me faire parvenir vos idées de thèmes que vous voulez qu'on développe au niveau de la CFTV. On a des ressources et on a des entraîneurs et on a des staffs de qualité chez nous, et on demande voilà, à les connaître et à pouvoir partager ensemble aussi ben, nos connaissances et nos expériences. C'est ça aussi le plus important, et aussi ben, continuer à vous former. Donc je vais terminer juste par rapport à mes infos. Donc ici, colloque UEFA, donc mois de mars 2022, à Namur, comme d'habitude, en présentiel, si vraiment les conditions ne le permettent pas, on le fera en webinaire. Et alors, les journées de l'entraîneur au mois de juin. Du mois de juin et aussi au mois d'août, tout ça aussi avec des points de licence. Je vous ai mis aussi dans le chat un lien pour pouvoir télécharger la procédure pour vous connecter à la nouvelle plateforme pour gérer vos points de licence et aussi renouveler votre licence. Alors, je vais vous le remettre comme ça, vous l'avez. Voilà, je vais le remettre tout de suite. OK. Et vous voyez que dans cette procédure, en fait, on vous demande un QR code. C'est un QR code qui est à demander à votre sécu de club. Voilà. À ce moment, vous êtes sur la plateforme RBFA et vous pouvez gérer, enfin, suivre tous vos points de licence et aussi renouveler votre licence aussi. Ça, c'est important. Donc, si maintenant il manque l'une ou l'autre formation, pas de souci, vous m'envoyez un mail. Moi, je transmettrai. Pour l'instant, il y a beaucoup de mises à jour.
Donc, pas de panique si toutes vos formations ne sont pas présentes sur la plateforme. Il y a un gros travail qui est fait au niveau de la CFF pour cela. Donc, voilà, un peu de patience, ça va être réglé. Donc, voilà, téléchargez ce fichier et vous aurez la nouvelle procédure pour vous connecter à cette nouvelle plateforme. Et ben voilà, Bastien, encore un grand merci à toi. Merci, merci à nouveau. Encore mes meilleurs voeux et bonne continuation à tous pour le championnat, pour la seconde partie. Voilà, les coachs au chômage suivent aussi ton programme de coach. Voilà. On est là pour ça aussi. Si on peut vous divertir, vous informer aussi et vous divertir, ça c'est top. Voilà, eh bien, au mois prochain, voilà, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, on vous communiquera la thématique et aussi notre orateur. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des thématiques précises. Portez-vous bien et aussi soyons fair play aussi. Hein, ça, c'est important au niveau des terrains. Et combattons, ouais, dernier truc aussi, combattons aussi toutes les discriminations, toutes les formes, surtout les propos racistes. Il ne faut pas qu'on puisse vraiment... voilà, y a des exemples, il y a trop d'exemples autour de nous négatifs. Voilà, on doit combattre chacun de notre côté et dès qu'on est témoin de ce genre de choses, vous pouvez les dénoncer, si vous êtes même victime, vous pouvez les dénoncer, vous allez sur le site de l'Union Belge et vous avez un formulaire que vous pouvez remplir, tout à fait anonyme, et votre plainte sera traitée. Mais voilà, on doit dire non à toute cette discrimination, à toute cette violence qu'on voit déjà dans notre société, mais aussi dans les stades. Ben voilà, allons-y pour faire la fête. Bon, maintenant, c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a plus de public. Donc là, ça va un peu... mais voilà, dès qu'on va reprendre, soyons fair play et respectons aussi les différences. Voilà, bye bye. Au revoir. Tu peux rester, hein. Reste, ouais. Ne déconnecte pas. Non, je suis là.